à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Donc, mon pote fitness classique qui m'a dit que j'ai pris de la masse, je me vois pas. Pourquoi? Pendant le confinement, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai rien lâché l'affaire. Jusqu'à maintenant, je ne lâche pas l'affaire. Donc, je me suis bien entraîné. Vous avez vu sur les vous avez vu sur les vidéos que j'ai posé pas mal à la maison. Et j'ai fait pas mal de training à l'extérieur avec mon pote Mika. Donc, je ne lâche rien. Si aujourd'hui j'en suis à ce point-là, c'est que j'ai donné tous mes efforts. Regardez le t-shirt, il ne me va plus. Regardez, comme il a du fitness classique, il me va trop court. Donc, c'était ma force de la volonté. C'était ma force mentale et la force de la motivation et la force morale. Donc, j'ai rien lâché. Je me suis battu comme un pitbull, comme un attaquant de football pour réussir ma prise de masse personnelle. Je ne lâche rien. Aujourd'hui, ça porte ses fruits avec mes compléments alimentaires que je fais le soir. En plus, pourtant, je mange de tout et n'importe quoi. Ouais, moi, je suis honnête, hein. Je mange des pizzas, je mange des tartes au fromage, je me gave des pâtisseries. On va pas se priver pour rien. De toute façon, tous les bodybuilders, tu prends l'exemple, tous les bodybuilders américains, ils se tapent des fast-food. Ils se tapent des pizzas, des chicken, ils se tapent des gros hamburgers. Leur prise de masse, c'est ça aussi, hein. Le vrai thème, c'est à l'américaine. Ils mangent des hamburgers, ils mangent des pizzas, ils se bouffent des shake meal, des milkshakes, ils se font des checkers de malades. Il n'y a pas de lézard, hein. C'est pour ça, il faut pas lâcher. C'est pour ça que moi je voulais ma construction masse musculaire. Apparemment, mon pote fitness classique, puis pas mal de gens m'ont dit que tu as pris des bras, tu as tout pris de partout. Ouais, parce que moi je me suis battu jusqu'au bout de rien lâcher. Aujourd'hui, il faut rien lâcher les people. Si vous voulez avoir des résultats, écoutez-vous de vous-même. Écoutez pas les âneries des gens. Les âneries des gens, ils font que de rabaisser. Ils font que de rabaisser, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la méchanceté jalousie, c'est de la jalousie de merde. C'est, à mon avis, s'ils sont jaloux sur un musculaire, ils sont jaloux aussi de tout. Je ne vous raconte pas avec leur femme comme ils sont jaloux. Elle sort, elle va faire les courses, elle va chez sa maman tous les 5 minutes. Ouais, t'es où? Ouais, rentre, voilà, c'est. De toute façon, ça reste de la jalousie hypocrite. Moi, j'appelle ça de la jalousie hypocrite. C'est pour ça que moi, Batman Fitness, je m'en bats les couilles, je me muscle, je suis bien dans ma peau, je mange, je dors, je chie, je fais mes vidéos. Pour moi, je me trouve au top. Le moral va bien, ma dignité va bien. Voilà. Alhamdoulilah, il ne faut pas lâcher les gens. Continuez sur cette voie-là, ça va porter ses fruits. Tout ce que je fais sur les vidéos, ça porte ses fruits. Et vous allez voir, vous allez choper en masse. Un jour ou l'autre, vous allez m'envoyer des commentaires. Ah ouais, putain, Batman, vous croyez que je vais mentir et croyez que je vais vous faire une vidéo comme ça pour vous mentir, pour gagner des abonnés, pour gagner des pouces bleus. J'ai rien à foutre, moi, de ça. Moi, c'est parce que je partage le bon moment que j'aime bien, que j'admire. Donc, il faut rien lâcher. Il faut être positif. Il faut être motivé, moral, mental. Et vous allez voir, vous allez réussir votre technique de votre entraînement. Je vous dis, I want a two biceps, big chest, big cul, big arm. À la prochaine.